Et effectivement, vous voyez que bah, cette créature semble garder une sorte de trou, en fait. Alors attendez, parce que là j'ai un souci de... Elle garde le passage. Elle garde un passage, en fait. Ce que t'appelles le trou, c'est le passage du bar. C'est ça, ouais, c'est ça. Attendez, je lis, hein, parce que j'ai... Ah, c'est ça. Derrière le passage, on peut lui demander. Mais surtout, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Ouais, donc il a l'air de comment de garder cette immense passage, immense trou en fait. Et derrière ce trou, vous voyez en fait comme un espèce de miroir, mais qui réfléchit absolument rien. Mais vous voyez un miroir avec de l'eau qui ondulerait en fait, comme une sorte de portail en fait. Oh oh, je vous rappelle quand on cherche une porte aussi, hein. Ouais. À fermer. Et on n'arrête pas d'en ouvrir. Ah oui, c'est pour ça. Je sais plus si... Ah non, j'ai plus de... Il parle lui aussi. Oui, ça doit parler. Il est... Les araignées qui nous en avaient parlé, mais je crois qu'on le savait déjà. Il y avait une ouverture vers justement les lingue, ouais. Elle te répond pas. Que fais-tu ici ? Elle te répond pas. Elle répond pas. Hein ? C'est une illusion. Fais-moi un jet d'intuition, s'il te plaît, un jet de psycho, s'il te plaît, Zalt. Oh, il me faut pas beaucoup, hein. 10 serait pas mal. Hein. Oui, c'est pas dit que j'y arrive, mais je canisse. Tu remarques que sur son front, il y a de la sueur qui coule. Énormément. C'est psycho, ça. Les lèvres sont serrées et tu sens qu'elle voudrait dire quelque chose, mais elle ne peut pas. Elle est contrainte. Ça ressemble beaucoup à un contrat encore suprême. Encore un contrat, ouais. Bah, c'est pas grave, tu fais un renvoi. Il est obligé, mais j'en ai plus. Et tu crois que je veux chier un renvoi. J'ai pas des renvois tous les 4 matins. C'est quoi ce magicien de pacotille? Pousse-toi et regarde bien ton ventre. J'aurais dû le garder pour lui plutôt parce que. Ouais, du coup. Du main à l'autre, on savait pas quoi s'attendre. Mais celui-là, on sait qu'il va être balèze. Les machins qu'on t'a renvoyé là, tu peux revenir et nous repasser le sort. Rappelez-moi la porte qu'on doit fermer, c'est quoi encore? L'accès vers Ling, non? Oui. Et normalement, ça nous avait été décrit comme une grande porte, ou c'est moi qui rêve, je sais plus. Ah oui, ça avait... Avec un dispositif énorme, quoi. C'est... Ouais. Ça a pas l'air d'être ça, hein. Ça a l'air d'être ça, hein. Voilà. Ouais. Mais ça, c'en est une autre, quoi. De toute façon, là, y a pas trop le choix. À garder ça, c'est soit on y va et on va être obligé de se friter contre une créature bonne, ouais. Soit on va ailleurs et on reviendra après, quoi, en essayant un bannissement et tout le bazar, puisqu'on sait qu'il est là, on pourrait se préparer mieux. Ouais, il peut pas bouger, ouais. Hein, apparemment, et c'est oui, comme l'autre. On pourrait se préparer mieux, quoi, si on revient plus tard. Ouais, soit avec un contrat, pas un contrat là, de nous, un bannissement avec un bannissement, un vanish. Comme ça, là. Ouais. Banish. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, on peut. Bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix. On trouve pas une urgence, effectivement. Moi, ça me dérange pas de taper. Quelque ça. Chose, ça marche. C'est un ange, hein. Voilà, de l'or sur elle, voilà quoi. Ok, donc vous refermez la porte et vous ressortez, c'est ça? Faut absolument taper sur un coup. Non, ça me dérange pas. Ok. On reviendra. Ouais. On reviendra. Bon, c'est vrai que les douanes et les royal bonnes, ça se voit pas, mais... Oui.
cache bien. Là, il cache, qu'il cache tout. Là. Il cache, oula, attention, ça, attention. Ça tombe, ça tombe. Vincent, il est... tu veux qu'on arrête Vincent parce que là t'es en train de dormir. Non, j'écoute, je suis concentré. Et au bout d'un moment, on entend un grand boom et on voit plus personne devant la caméra. C'est ça. Je suis concentré. Ah ouais. Comme Nestlé. Bon, bah, on avance. Hein. Ouais. Ah Vincent, comme Nestlé. Oui. Non, on continue. On ouvre un max de portes. Ça tourne. Mais il est vrai que je tombe. Allez. On va réussir à finir. Scénario. La campagne. Pas ce soir. Bonjour. Non, pas ce soir. Ouais, bon. Bah non, faut déjà rencontrer Karzoug. Oui. On le rencontre. Hein. Zilmar, une porte. Vas-y, ouvre-la, t'inquiète, y'a personne derrière. T'inquiète, Pocket. Tous les huitièmes de cadran, on le rencontre. Gaël, le coude, je mets la main devant. Prends la poignée de la porte et ouais, bah... j'appuie dessus. Ça s'ouvre. Je me concentre sur la stratégie. Oui. Même technique qu'au boulot. Oula, des portes qui gardent des éléphants, là. Des portes énormes. Ah, oui. Vous voyez, vous remarquez effectivement une entrée. Un genre de grand vestibule, en fait. Avec des portes au bâton de plus de 3 mètres de large qui s'ouvrent dans le mur. Ah ah. C'est une pièce vide hein, ici, mais vous voyez que la surface est couverte de... les portes, hein, elles sont couvertes de dizaines de milliers de runes minuscules qui semblent grouiller, s'agiter quand on les regarde pas directement. Des glyphes d'armes, des trucs comme ça. Attends, on voit les runes bouger quand on les regarde pas. Quand vous les regardez pas directement, c'est-à-dire que quand vous êtes de biais, du coin de l'œil, vous voyez que ça bouge effectivement. Les runes bougent. Ça, c'est une illusion d'optique, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que vous pouvez faire des détections de la magie. Ouais. Ouais, bah s'il y a des runes qui bougent, je pense que c'est magique. Sans trop. Je crois qu'on a pas trop tout à fait. Ouais, mais vous pouvez identifier le type de magie. Ouais, ça on peut faire l'air de la magie. Oui, si c'est l'évocation, on peut toujours s'attendre à une grosse boule de feu dans notre gueule, par exemple. Voilà. Allez, une petite détection de magie, ça. Et la puissance de la magie. Pas grand chose. Alors, deux choses. Effectivement, la porte est magique. Les doubles portes sont magiques. Effectivement, les runes que vous voyez, vous l'avez déjà vu quelque part, c'est de la clo. La clo ? La clo. Ouais. C'est qui je parle, ça ? Je sais pas. C'est comme du loc-lac ? Non, du ouais, codeur. Du cacolac. Qui c'est qui parle de la clo parmi vous ? Un petit de floc-lac. Ok. Ah, donc c'est une langue, la clo. Ouais, c'est une langue. C'est une langue. Ah, bah, si Oswald connaît pas, c'est vrai que c'est connu par personne. Ouais, c'est connu par personne. Je sais que c'est une langue, mais je l'ai pas. Elles sont couvertes d'aclo en fait, les portes. D'aglo. Non, d'aclo. Oui, bah, ça veut dire qu'on peut y aller. J'ai déjà lu la clo. Et donc le type de magie, la puissance. Frapper 3 fois et rentrer. Art de la magie, pouf. Art de la magie, oh là là. Oh, ça va attendre. Allez, art du sacrifice. Oh, je lis. Art de la magie. Ah bah voilà. Voilà. Ouais, bah super. Il y a des fautes, hein, pour... pour zone. Alors... Oswald... mal fait, hein. Oswald, tu... Garnier. Viens avec moi en arrière-salle, rapidement. Ok. Alors, c'est magique, effectivement, mais tu remarques qu'il y a un sort lancé sur les runes, sur les personnes qui le liront, qui comprennent la clo et qui lisent au moins pendant une minute les runes qui sont sur les murs. Ouais, que ceux qui comprennent la clo. Et vous risquez rien. Et sur les murs, en fait, on a dans les runes, il y a un effet de sort qui s'appelle, c'est un sort qui s'appelle Dédale. D'accord. Mais est-ce que je peux en déduire que c'est en lisant la clo qu'on risque de prendre Dédale, ou est-ce que c'est justement C'est pour éviter de lire. Est-ce qu'il faut lire la clo pour désactiver le truc? Non. Le piège se met en place à partir du moment où, pendant au moins une minute, tu lis les runes. D'accord.
Et comme vous savez pas les lire, vous avez aucun... Vous êtes sauvé. C'est au cas où il y avait quelqu'un qui savait. Des dalles gelées, ouais. C'est, ouais, c'est très puissant, ouais. C'est très puissant. C'est puissant. Bah, ça... Ça change jamais sur tous les gens que je jetterai. Ouais. Donc voilà, on peut repartir en salle. Et annoncer la bonne nouvelle. Oh les guignols, là, c'est fini. Je vous vois à la caméra, hein. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je vous annonce la mauvaise nouvelle. La porte est piégée. Ah, ça c'est la mauvaise nouvelle. C'est pas la porte. La bonne nouvelle, c'est qu'on est trop con pour la comprendre. Parce qu'il faut parler de la clo pour se faire piéger. Ah bah alors c'est bon. Essayez pas de lire, essayez pas d'apprendre la clo, c'est pas le moment. C'était pas mon intention. Hein. Mais donc on a juste à pousser la porte. Ça me dit pas s'il y a un autre piège mécanique ou quoi. Ah oh oui, mais ça, Vilmar est suffisamment puissant pour supporter les pièges. De toute façon, la taille de la porte, j'aurai besoin de Finan pour l'ouvrir. Hein. T'inquiète. C'est Falgor qui va t'aider. Non, mais si franchement, si tu. Quoi qu'il est pas très fort. Ah mince. Oh si, il est fort lui. Maintenant. Eh merde. J'ai un peu de mal à déplacer. Ça répond plus là. Oui, j'allais te le dire, ça répond plus là. C'est bon normalement. Parce que j'ai mis en place des choses. Alors, j'ai pas besoin de vous faire de jet de perception, mais vous entendez effectivement le bruit de machine derrière les portes, les doubles portes. Hein. D'accord. D'une espèce de machinerie. Non, c'est pas bon, je vais fermer le programme et je vais... Ma moulin, quoi. J'ai pas bougé non plus. Une espresso. Non, mais comme la machine à café de Xavier quand il fait du café le soir le lundi. Notre aventurier, c'est pas bon. Ne relance pas Vincent, il est en train de placer les trucs. À quoi ça nous fait passer en tant qu'aventurier? En tant qu'aventurier, un mécanisme d'engrenage qui se déplacerait et le bruit d'une machine sous tension. Qui émettrait ça, des... je connais pas. Alors une machine qui émettrait des éclairs électriques. Une magie qui émettrait des éclairs. Voilà. Oui, on a déjà rencontré ça dans l'espèce de dans les labyrinthes de l'avarice et tout le tralala. Exactement. Ouais. On avait trouvé il y avait une salle où il y avait des éclairs. Ouais, complètement, il y avait des créatures qui s'en échappaient d'ailleurs. Mm-mm. Souvenez-vous, l'été dernier. Souvenez-vous, vous étiez niveau 10. Tu peux repartager le plan, Stéphane, s'il te plaît. Je sais pas, mais bon, c'est demandé si gentiment, je peux pas refuser. T'es revenu vite, hein. C'est la fibre. Tu veux dire... L'intestin, tu manges des... Brin-brin, pour les intimes. Brin-brin. Bon. Le brin. Non, brin-brin à base de fibres pour les... Brin-brin pour les matins qui chantent. Pour les digestifs. Bon, les matins qui chantent, c'est poétique. Ouais, c'est ça. Ça chante. Désolé. C'était les 5 secondes scato, merci. Bah non, mais vous connaissez pas, c'était... Ah, dépêchez-vous, j'ai mon casque qui est en train de biper pour me dire qu'il me reste 5 minutes de batterie. Parfait, bah on nous la porte avec Falgor. Ok. Pourtant, il a du mal à rentrer dans la serrure, hein. Mais bon, forcément un peu. Alors, attendez, parce que là, c'est compliqué. C'est comme Facebook, c'est pareil. Bon, c'est pas compliqué, Facebook. Voilà. Tu l'utilises pas, voilà. Oui, t'as brin-brin si tu veux. Sur le brin-brin sur YouTube, mon dieu, qu'est-ce que c'est? Ah oui, non, mais ça doit être vraiment une. Les nuls ou tout ça, ouais, d'accord. Ah, ah ouais, je m'en souvenais plus. Il y a des gens. Il y a plein de monde là. Ouais. Et je pense et que. Les machines. Oh purée. Ouais. Des gnomes. Et je pense que vu l'heure et vu l'état de fatigue de certaines personnes, on va. Ça sera pas. Aujourd'hui. Je vais faire juste une petite description de ce que vous voyez. Ouais, ou. Et l'image. Ouais. Et les images, et puis on stoppera là-dessus. Ouais, comme ça on les aura. Et les images, et puis les créatures. Alors, c'est Actonia ça. Vous voyez effectivement. Non. Ou alors c'est un. Si je peux parler.
Bah attends, on regarde. À toi dans 5 secondes. Vas-y. Alors, les murs de pierre nue de cette longue pièce sont bordés de toute une variété de tables, de boîtes, de caisses et de cylindres. Certains sont faits de pierre, mais d'autres semblent de métal. Vous voyez d'étranges câbles qui dépassent de quelques cylindres et les relient aux autres. Toutes ces choses semblent dépendre d'une large structure de métal construite tout au bout de cette pièce, où d'étranges courants d'énergie dansent et scintillent dans un curieux anneau de pierre. De temps à autre, ces courants se solidifient et forment des espèces de silhouettes, à la fois d'une étonnante familiarité et pourtant d'un aspect totalement étranger à ce monde. L'image représente une ville massive, faite de tours et de monuments gigantesques, nichée dans une vallée montagneuse au pied d'un pic élevé. Vous avez l'impression de voir Xynchalast, vu des hauteurs de la montagne. Pourtant, la ville, derrière le rideau d'énergie, est bien différente. Ses tours et ses bâtiments flamboient de lumière aussi bien magique qu'ordinaire, et la grande rue centrale, comme ses affluents, grouille de dizaines de milliers de géants et d'humanoïdes de toutes sortes. Les bruits, et même les odeurs de cette étrange métropole, parviennent par bouffées à travers l'image jusqu'à vos sens. Une image qui tente peut-être de servir de fenêtre. Vous voyez une créature que vous avez déjà rencontrée, un chien de Tyndalos. Putain, c'est ça le portail Verling, non ? Vous avez et vous voyez en fait effectivement des créatures qui sont en train de manipuler les cylindres, etc. Cette espèce de grande machinerie énorme. Alors, dans un premier temps, je vous montre effectivement ces habitants qui ressemblent beaucoup à des créatures. Alors, plus vous les observez... Il faut pas des angles, il faut des pièces rondes. Oui, j'allais dire. Plus vous les observez, plus vous voyez qu'ils... Pas très tout. Vous avez l'impression qu'ils ont des tics qui animent leur visage. C'est assez étrange. Ils sont vêtus de guenilles en cuir et ils sont bizarres et assez horribles. Ah oui, de loin, je croyais que c'était des mecs barbus. Ah oui. Oui, non, ils ont une espèce de voile sur le visage... Ils ont une gueule un peu insecte avec un voile. C'est ça. Et puis, oui. Effectivement, vous voyez un quadrupède élancé à de longues membres, d'énormes yeux inexpressifs et une gueule garnie de crocs. Il se déplace avec la grâce et l'agilité d'un prédateur. Je vous montre pas son. Ça, vous savez à quoi ça ressemble. Par contre, ce que je vous montre, c'est. Ah bon, ok, d'accord, si tu veux. D'accord. Moi, je les voyais pas comme ça. Et mais... pour finir, je fais la version bassineur. Oui, oui, parce que moi, je les voyais plus. Pour finir, plus quoi les chiens. Plus, mais moins. Plus indescriptible, innommable. Et... Oui, bah de toute façon, c'est indescriptible normalement. Et pour finir, je vous montre le portail que vous voyez avec la ville, etc. Ouais. Et vous voyez quand vous rentrez dans la pièce, vous voyez tout ça et vous voyez que l'image que vous avez vue de la ville, etc., s'efface. Et à la place, vous voyez ça. Ouais, bah c'est avec les tentacules et tout. Oui. Et on va s'arrêter là-dessus.